Business Ridiculous. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Monsieur Atango. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Mignon Atangana. Tangana, Tangana. Mignon Atangana. Je suis Mignon Atangana. Tangana, Tangana. Mignon Atangana. Je pourrais venir te dire bonjour. Tu es un peu occupé là. Tu es occupé? Il n'y a personne. Je travaille. Tu travailles? Je peux t'aider à travailler. Non, tu ne peux pas. Comment depuis que tu es arrivé, c'est là je travaille sur l'ordinateur. Comme si tu ne me voyais pas. Je te vois, non? Regarde. Et tu veux que je fasse quoi avec ça? Tu ignores quoi? Ouais. Comment? Je vais t'aider, attends. Non, je travaille sur l'ordinateur. J'ai qu'un ordinateur, j'ai pas 10. Je vais t'aider. Non. Et tu veux quoi alors? Je veux que tu aies moi. Soyons amis en fait. Amis? Oui. Mais on se voit comme ça, non? À l'intérieur, c'est mieux. Non, non, non. Il n'y a personne qui rentre chez moi. Ouais, je vais te donner quelque chose. Tu vas me donner quoi? Il y a quoi à te donner? Tu ignores quoi? Tu veux me donner quoi? Ouais. Le ouais? Oui. Ah bon? Ouais. Mais t'es une vendeuse de piment, non? Et j'ai pas l'argent à te donner. Non, moi je peux même pas que tu me payes. Tu donnes ça comme ça, Joe. Ah bon? Oui, pour toi, c'est gratuit. Mon pancré. Oh madame. J'ai les pieds tard. C'est toi qui sont venus chercher. Non, s'il vous plaît, nous cherchons un dénommé Eric Le Retour. Il nous a indiqué qui vit dans ce camp. Oui, il habite là-bas, c'est un malade mental, c'est un. Non, non. C'est notre voisin. Il habite quelque part là, mais. Non, c'est il un est fou. Tranquille, il est c'est un monsieur le policier là, c'est un fou. Il a pris l'eau, il a pris la machette là, il voulait me découper en deux. Yeah. C'est un malade. Dis-nous tout ce qui s'est passé en cours. Nous, tu ne devais pas dire ça comme non, ça. Il fait le bon, il est parti dans le camp. Madame, vous calmez. Hein. On a besoin de toutes ces informations, ça non, nous aide dans monsieur, l'enquête. Non, monsieur le policier, pardon. Il faut le. Seulement. Madame. Il fait le bordel partout dans le camp, tout le monde a peur de lui. Il se promène avec la machette là tout le temps. Hey. C'est un garçon qui sort la nuit seulement. Oui, il est vieux. Madame, tu vas fermer. Vous voyez aussi qu'il y a le saut là. Oui. Dans l'entrée là, dans la petite entrée. Voilà. Tu as vu. J'ai vu. Okay. C'est un fou et attention. Tu as vu celui qui a les armes. Il a les armes. Faut l'arrêter, pardon. Vraiment, les policiers de ce pays-là, ils ont peur comme ça, là. Même dans ton pays, toi, les policiers n'ont pas aussi peur. Ils ont peur, non? Alors? Et avec les gens qui ont des armes comme ça, hein. Je suis sûr que ce garçon même a une arme à feu dans sa maison. Hein. Et toi-même, tu as peur de lui, non? J'ai peur, bien sûr. Alors? C'est pour ça que les policiers sont là, non? Et c'est bien. Je suis sûr qu'ils vont l'arrêter. Mais ils vont l'arrêter quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ils vont le mettre en Kondengi, sérieux. Il n'est pas là. J'espère qu'il n'a rien fait de mal, hein. Monsieur le policier, venez. Moi, je vais vous dire. Ah, il n'a rien fait. Si. Sérieusement, vous voyez là, l'eau là. Oui. Il a mis partout sur les gens ici. Il a claqué, il a pris. Les témoins. Il a pris ma chaise. Madame, si une fois de plus vous ouvrez la bouche là, pour nuire à l'enquête, on vous embarque. Regardez. Il a pris la machette, non? Il a claqué ça partout. Il m'a coincé dans le coin là-bas. Il voulait me découper en deux. Heureusement que le bailleur est arrivé, même sérieux. Le bailleur, on peut voir le bailleur, s'il vous plaît. Le bailleur n'est pas là. Il va arriver. Encore? Je parle plus. Mais monsieur, vous savez quoi? La fille là, c'est une vendeuse de piment, sérieusement. Yeah! Oui! Je suis vendeuse de piment. Elle va le piment. Une fois que tu viens d'arriver, on veut te donner un jour comme ça. Madame, ne m'attendez pas à tous. Madame, tu la boucle! Ok. Moi, je fais ça. Non, monsieur.
Ouais, je des choses comme ça là. Donc tu es une vendeuse de piment? Non. Venez, madame. Baisse. Non, je ne veux pas. Venez. Vas-y. Venez, oh, ben c'est là comment je vous appelle. Mettez cela pour besoin d'enquête. Non, je ne veux pas. Viens ici. Maman. En fait, le piment, c'est combien? Le piment jaune ou rouge? Le rouge. Moi, je n'ai pas le piment rouge, j'ai seulement le jaune. Le jaune, ça pique. C'est le jaune qui est bien. Hein. Le jaune a une bonne odeur. C'est bien. Ça pique bien. Oui, ça pique. Hey, pas, maman, même le policier va acheter le piment. Si tu veux, il y a beaucoup de combien de piment. Hey. J'ai toujours dit que je vais finir par t'envoyer à Kolofata. Tu continues de mettre la bouche dans mes enquêtes. Bon, monsieur, tu n'as pas pour. Nous sommes en train de mener une enquête. Lui-même, il a le piment. Non. Il a le piment. Viens. Attendez, il a le piment. J'ai vu. Attendez. C'est ton piment qui veut. Attendez. Je vais vous allez voir. J'ai les preuves. Il a le piment. Un blanc qui vend le piment au Cameroun. Quel piment? Il vend pas quoi? C'est toi, pas tu as la tête d'un suspect. Il a le piment. J'ai dit non. J'ai les preuves. C'est pas ce genre de piment. Tu blagues avec l'inspecteur ou quoi? On a pas. Quel piment ça? C'est le piment, non? Allez, moi, remets ce piment. Regardez ça. Hey. Revenons sur le mouton. Eric, le retour est là-bas, et moi je sais pas. C'est un gars qui est. Mais le bailleur, comment il peut faire pour rencontrer le bailleur, s'il vous plaît? J'attends quelqu'un qui me demande là, c'est qui? Ok. La police, le policier, pas chez moi. Monsieur le policier, voici bonjour, le bailleur. Bonjour, monsieur. Venez. Voici le bailleur. Venez. Ah. C'est vous le bailleur de ce camp? Bien sûr, c'est moi le bailleur. Monsieur, nous menons une enquête sur un dangereux et critiquant. Le nommé Eric, le retour, et c'est vous qui l'habitez ici. Comment faire pour rencontrer ce monsieur? Vous êtes venu pour chercher Eric le retour. Effectivement. Adios, y'a et mon époux, Sissim. Amen. Monsieur, j'ai tout fait pour chasser le bandit ici. L'escroc, le malade, le bandit, le violeur, tout. Si vous êtes venu pour lui, non? Le malade, le violeur. Il est pour lui. Vous êtes venu pour lui, non? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de temps à perdre. Il habite là. Nous étions là-bas, il n'est pas là pour nous. Ah, vous étiez là-bas? Oui. Nous étions chez lui, là. Il n'est pas là. Tu ne les as pas dit là où il est? Et si je connais, je suis sa femme. Tu ne les as pas dit? On ne dit pas. On ne les a pas dit. Wakonando, c'est toi qui m'as envoyé à l'école. Et déjà, monsieur, pardon, regardez comment vous êtes habillé. Ah, ouais, il faut s'il vous plaît. Ne sois pas ici là pour votre tiraillement dans le camp. Nous cherchons, monsieur, Eric le retour. Bon, je dis, si vous pouvez même camper ici là. Mettez les tentes là, vous restez là jusqu'à quand il va arriver. Hey. Je veux que vous le chassez de mon quartier. C'est quel quoi? De mon gang, c'est mauvais sur moi, je n'arrive même pas. Un violeur, un bandit, un agresseur. Il n'a jamais violé une personne ici. Madame, quand il demande la dernière tête, nouvelle, là, je ne suis pas souvent au courant. Monsieur, voilà ma maison, il habite juste là-haut. Il demande les tentes. Oh, madame la vendeuse de piment. Fais très attention. Tu la boucles quand l'inspecteur parle. Monsieur le commissaire, elle vend en gros, en détail, tout. Il n'est pas encore commissaire, il est inspecteur. Monsieur, tu la boucle! Kolofata! Non! Kolofata! Non! La dernière nouvelle, ce monsieur est un grand trafiquant, un falsificateur. Il peut partir. Non, ne l'acceptez pas. Placez-vous là-bas. Je ne sais pas comment j'ai fait pour qu'il vienne. La dernière nouvelle, ce monsieur fabrique de la fausse bière! Ah. Merde. Ça. Il est venu me mettre en problème. C'est quelqu'un qui empoisonne les Camerounais en longueur de journée avec la fausse bière. Merde. C'est même un dealer. Il dit, on a entendu ça. On va essayer de s'y camper ici là. Attendons-le sur place. On doit finir cette affaire. L'enfant. Il lui a quitté de mon quartier. Monsieur le bailleur. Oui. La boucler. L'enfant, le ministre de la République s'est retrouvé aux urgences parce qu'il a consommé de la fausse boisson. Les œuvres de monsieur Eric le retour. Les non contrôlés, non. Mais je ne crois pas que monsieur, c'est... Monsieur, madame, si vous continuez encore, vous allez aller au concert. Monsieur le commissaire ou l'inspecteur, là, avec votre gouvernante, là, vous pensez pas que vous buvez la bière des le retour, là? Chut, monsieur, c'est le ventre que vous voyez ici, c'est le cimetière du bon poulet. Voilà. Pas le congelé qui vient de chez vous, là. Et la bonne cage de bière. Voilà. C'est ça. Ah bon? Oui. Avec les abdos. L'abdal. L'abdo Cronenbourg. L'abdal. Il allait d'être... On va l'embarquer. Oui, si ça continue. Vous allez m'embarquer, pourquoi? J'ai entendu parler de ce genre de blanc ici. C'est, j'ai l'impression que c'est un Atangana. Un vrai Atangana. Qui est Atangana? Mouf. Et là, oiseau, regarde-moi ça, il t'aime là. Hé, monsieur. Et là, oiseau. Ouais, mais bien, là, tu peux tout ça. En tout cas, hein, restons focalisés sur la mission. Monsieur le bailleur, oui. Pouvez-nous Eric le retour? Je vous ai déjà tout dit. Hein? Je vous l'ai dit, il habite là. Eric le retour. L'enfant. Merci, vous ne pouvez pas.
cet individu. Ne pas oublier un volet pareil. Hey, voici Eric le retour par agent. Ah, enfin lui. Voilà. Hey. Comme je vous disais. Donc c'est toi. Hein. C'est lui Eric le retour. Le caïde du quartier. Attends, un instant. Le caïde du quartier. Un instant. Vous êtes là pour moi. Oui, monsieur. Et toi, mon commissaire, ça fait 6 mois que je suis sorti de prison. Ça fait 6 mois que je n'ai pas été mêlé à un braquage. Ça fait 6 mois que je n'ai pas tué quelqu'un. Ça fait 6 mois que je n'ai pas vu le sang d'un individu. Ça fait 6 mois que j'essaie de tout mal à gauche. Alors qu'elle parle le pivot dans tout le quartier, mais elle ne me donne pas. Et je me comporte bien parce que j'ai décidé de changer. Monsieur le commissaire, un bandit reste un bandit, pardon, faut l'arrêter. C'est le caïd du quartier, il fait peur à tout le monde. Ils sont à la matière de tous les jours. C'est lui là. Il nous agresse. Ça veut dire quoi? On a reçu tous les plaintes sur vous. Sérieusement, ça veut dire quoi? Je vous dis la vérité. On sait quoi, monsieur? La rumeur court que vous êtes à la tête des réseaux des fabricants de fausses boissons de ce pays. Je vous pose une question. Donc maintenant, vous venez arrêter les gens parce que vous êtes basé sur des rumeurs? Hey. Est-ce que rien vous fait quoi ici? Hein? Et tu viens là, tu mets ça à côté de moi. Hein? Vous venez de me faire quoi ici? Hein? Vous venez de me faire quoi ici? Hein? Donc c'est comme ça, vous arrivez. Hein? Monsieur Régnier, ne vous laissez pas faire. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Laisse-moi un blanc ici. Est-ce que tu as contrôlé le blanc ici? Non, non, non. Laisse-moi l'instantaire. Je vais vous dire une chose. Oui. Dans certains pays, oui. Hein? Oui, comme par exemple. Laisse-moi l'instantaire. Laisse-lui. Reviens. Un blanc. Non. Laisse-moi l'instantaire. Ne peux pas accepter qu'un noir comme moi, tu te balades comme ça en te demandant pas de tes papiers. Ces papiers sont où? Attends. Vous avez raison. Vous avez raison. Il y a le téléphone. Vous avez raison. Donne le téléphone. C'est ton problème. Je m'en fous. Laissez-moi l'instantaire. Instantaire. C'est toi. Je n'ai pas raison. Laissez-moi l'instantaire. Laissez-moi l'instantaire. Non. Est-ce que vous avez contrôlé le blanc ici? Monsieur le commissaire, ça veut dire quoi? Un bandit qui vous tape? Un blanc peut accepter comme ça que tu dans ton pays? On n'a pas pour contrôler, on n'a pas pour contrôler le loi. Ça veut dire quoi? Contrôle-le! Un bandit que quoi? C'est lui qui va vous dire de contrôler le blanc. C'est vous qui devenez le contrôler, ce n'est pas lui qui va vous dire de contrôler le blanc. Tu m'as boucle! On est déjà contrôlé. Tu m'as boucle! On est déjà contrôlé. Tu continues ici. Mais ça, attends, présentez-vous s'il vous plaît. Vous avez contrôlé. Pardon? Présentez-vous s'il vous plaît. Mes papiers sont en train d'être faits. Quoi? Mes papiers sont en train d'être faits. Tes papiers? Demandez pas les papiers. C'est à l'immigration. On va l'embarquer. C'est bien. Est-ce que c'est lui qui vous êtes venu arrêter ou arrêter Eric le retour? Tu as vu le parc que tu dis que c'est arrêté le papier? Il n'a aucun papier. Il va c'est faire. Lui qui vous il va faire. Lui-même il a pas payé. C'est toi qui vas faire le papier. Tu vas aussi faire pour moi, non? Lâchez-moi. Vous savez pas qui je suis, hein? Présente-toi. Attends, j'appelle Macron. Appelle. Oui, voilà. Tu appelles qui vous croyez? Machin, locataire. Oui, Macron, pardon. S'il vous plaît, appelez l'ambassadeur du Cameroun. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Il y a des qui me dérange, il faut appeler l'ambassadeur du Cameroun, pardon. On veut m'arrêter parce que je ne vais pas me donner de l'étranger. Il va faire les papiers. Vous allez voir, on va vous gérer. Ça veut dire quoi? Ok, le type se connaît Macron. C'est comme ça qu'il va vous donner encore comme ça. On va t'extrader, tu vas voir comment ça se passe. T'as touché un blanc, t'es fou. Non, laisse-moi. Je t'emmène pourquoi? T'es ma femme. Bon, locataire. Tu vas voir aussi. Non, écoute d'abord ce que je vais te dire. Hein. Je vais même encore réduire un peu ton âme. Mais tu vas me présenter à Macron. Jamais. Je ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Monsieur Atango. David L. B. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis mignon à Tangana. 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 Business reduction.